Bon, hello tout le monde. Ah, c'est un test que je fais. J'ai fait une bonne course, qui a été difficile, mais qui a été bonne quand même. J'ai un bon résultat, je vous dis pas lequel. Fait que j'essaie de stream, de taper ça. C'est en reprise, là. Là, je parlerai pas en conduisant. La Lotus 79 sur iRacing. D'après moi, la deuxième voiture la plus dure à conduire, la première étant la Lotus 49. Fait que c'est ça. Je vais commenter la course en même temps, là. On va voir ce que ça va donner. Et c'est au Nordschleife aussi, là, un des circuits les. Bon, je dirais pas les plus durs, là, parce que moi j'ai quand même pas de misère. Là. J'adore ce circuit-là, c'est mon circuit préféré. Fait que c'est ça, avec là, c'est départ lancé, bien sûr. Il y a eu beaucoup d'incidents, j'ai réussi à m'en sortir de justesse. Fait que je me suis dit, ouais, moi streamer ça, c'est pour le fun. Là. Quasiment eu un incident direct au départ. Fait que là, il y en a une couple qui sont éliminés, fait que c'est déjà bon. Ah, le pilote qui a le shake un peu. Là, les pneus sont froids, fait que je me suis dit, bon, on va y aller un petit peu mollo au début, là. Ça glisse plus. Là. Mais même en étant mollo, j'ai réussi à les rattraper un petit peu, fait que ça glisse vraiment en plus. Comme ici, là, oh, bobo. C'était pénible. Là, bon, je vais me laisser passer. Ah, j'ai rongé mon frein une couple de fois, mais... Juste prendre note que les jambes du pilote suivent la soeur. C'est-à-dire que quand tu fais le blip, tu vois les jambes bouger. Là. Quand il freine, quand il fait le blip, ça sur le gaz. Là, mais... Là, si je range mon frein bien raide. C'est mieux d'être patient. Là. C'est ça que j'ai fait tout le long. Ça me permet de patience. Parce que c'est dur de dépasser aussi sur Nordschleife. Avec cette voiture-là aussi. Là. Elle est quand même assez capricieuse. C'est un setup fixe. Fait que c'est un setup pré-réglé de racing. Il est quand même bon. Et là. Bon, souvent, là, c'est ça, là, il y en a qui ralentissent plus, là. Faut faire attention. Là, ici, là, oh, pentez l'extérieur. Il y en a beaucoup qui font des erreurs. Aïe! Bon, j'ai un incident là-dessus, là. Je suis accroché. Mais l'auto, c'est... Elle continue à aller bien quand même, là. T'es chanceux. Ici, on y va pour la montée. Ça, c'est au fond. Vraiment hot, tu vois
les jambes bouger. Au fond, on tient. Faut juste pas que tu manques ton apex, là, parce que... au fond. Là, les pneus sont bien réchauffés, là, ça va un peu mieux. C'est le premier carrousel. C'est tricky. On entend les chocs travailler, là. La Lotus 79, là, faut pas trop que t'embarques les vibreurs, là, ça part assez vite. Là. Une petite affaire sur vireuse, mais aussi c'est normal. Ça, on coupe suite. Que je roule juste auto-clutch, ça veut dire que je pèse pas sa clutch pour changer de vitesse, mais il faut que je fasse le blip. C'est-à-dire c'est que je donne un petit coup de gaz en montant les vitesses et en rétrogradant aussi. Là ici c'est au fond Léon. Ça c'est le fun ce bout ici. Deuxième carousel. Ça, c'est pour faire attention. Ça. Crampe en masse, pied au fond. Ça, ici, je suis assez proche pour être dans l'aspiration de mon gun avant. C'est important d'avoir une bonne sortie ici. Faut pas arriver trop vite parce qu'il faut freiner en côte là. Pour ceux qui ont écouté le film Gran Turismo, le gars s'était planté ici. Le char avait levé dans ce but-là. Bon, ici, il y en a qui se seraient essayés. Moi, il y en a un qui s'en vient. Là. Il m'a dépassé parce que j'avais pas de momentum à cause de l'autre en avant. Fait que j'ai dit je vais le laisser aller là. Mais surprise, il y a une surprise qui s'en vient là. Des fois être patient, ça va le laisser aller, ça, c'est payant. Vous allez comprendre pourquoi. Genre ça. Yeah! J'étais chanceux, là, le char n'a pas trop cogné, fait que... Et je crois qu'à ce moment-ci, je suis... je crois que je suis troisième. Ouais.
il y a personne en arrière. Village Lourda. C'était là qu'il y a eu son accident qui l'a brûlé. Ah, des fois, il faut lever un petit peu plus, L'os de carousel. Je le rattrape quand même pas mal le gars, mais d'après moi il était prudent. Mais en tout cas, il checkait dans ses miroirs pas mal. Au fond de ça. Je pense que j'étais capable de tirer au fond. Non. On se repose les bras un peu, là. On prend un petit break, on slack les. On relaxe nos mains. Je le rattrape pas mal. Yeesh.
pas serré en dedans, mais il y a une petite butte, mais j'ai... Ça, je serre un peu parce qu'il y a une petite vitre, là, une petite butte, là, la charge saute, fait que ça te déporte, là, mais là, ça a pas marché. Faut être gentil avec le gaz. Ça part assez vite. Là, on est au dernier tour, fait que ça se passe à ce tour-ci. Arrive au virage des kilos d'or. Bon, je rentre un petit peu trop des fois dans les virages, là. C'est pas avantageux. Dans l'aspiration, mais je lève le pied parce que c'est pas vraiment l'endroit idéal pour dépasser. C'est mieux de finir la course que de finir dans le guardrail. De toute façon, il reste toujours la ligne droite pour dépasser là, en coque. Bon, ça, j'ai pas. Le gars, il a échappé, puis on dirait que ça me. Ça, c'est l'informatique, là, mais on dirait que. Des fois, quand il y en a un qui dérape devant toi, on dirait que toi, il faut que tu dérapes aussi, là. Mais bon. Mais là, lui, je pense qu'il est endommagé, là. Il va comme. Il va comme me laisser passer. En tout cas, il me suit. Il sera même pas capable de me suivre dans l'aspiration dans les groupes. Passe ici. Là, ici, ben, j'ai l'avantage d'être en dedans. Là. À l'extérieur, si on oublie ça, c'est zéro de bord. Fait que là, c'est ça, là, on le voit pas, là, mais là, j'ai constaté que dans le bas de droite, il me suivait pas, fait qu'il devait être endommagé, là. Et là, ma deuxième place est assurée.
vraiment trippant cette voiture-là. Là. Quand elle est bien setée, là, ça va vraiment trippant. Fait que ça, j'ai parti 9e, fini 2e. C'est quand même très bon, mais avec 11 incidents, j'ai été chanceux pas mal de la fois. Fait que c'est pour ça que je voulais la mettre sur ma chaîne YouTube. En tout cas, si vous l'avez écouté et vous avez apprécié, merci beaucoup. Puis bonne continuité.